Ok. Est-ce qu'entre amis, on s'arrête à ces sortes de scrupules? Ne feriez-vous pas pour moi la même chose, si l'occasion s'en offrait? Pour moi, je ne regarde rien quand il faut servir un ami. Et lorsque vous me fîtes confidence de l'ardeur que vous avez prise pour cette marquise agréable chez qui j'avais commerce, vous vîtes que d'abord je m'offris de moi-même à servir votre amour. Vous avez pris le bon biais pour toucher son cœur. Les femmes aiment surtout les dépenses qu'on fait pour elles. Et vos fréquentes sérénades et vos bouquets continuels, ce superbe feu d'artifice qu'elle trouva sur l'eau, le diamant qu'elle reçut de votre part et le cadeau que vous lui préparez, tout cela lui parle bien mieux en faveur de votre amour que toutes les paroles que vous auriez pu lui dire vous-même. Ce sera tantôt que vous jouirez à votre aise du plaisir de sa vue, et vos yeux auront tout le temps de se satisfaire. Vous avez fait prudemment et votre femme aurait pu nous embarrasser. J'ai donné pour vous l'ordre qu'il faut au cuisinier et à toutes les choses qui sont nécessaires pour le balai. Il aime mon invention. Et pourvu que l'exécution puisse répondre à l'idée, je suis sûr qu'il sera trouvé.